que je suis arrivé ici, j'étais bijoutier en préinstallation, donc bijoutier fabricant. Je cherchais, j'étais vraiment en quête d'un lieu déjà peu onéreux parce que peu de moyens, un lieu aussi qui puisse me permettre d'être tranquille pour travailler, de pas être, d'être un peu aussi dans un univers proche du mien, dans l'idéal. Après, voilà, je suis un peu tombé par hasard, et pas vraiment par hasard, par biais de connaissances sur ce lieu. Et donc, du coup, je l'ai investi à ma manière. C'est un lieu qui m'a tout de suite plu, personne n'en voulait. Château d'eau, qui finalement servait plus ou moins de bureau, mais qui n'avait jamais été investi, en fait, d'une certaine manière, qui mette en valeur un peu ce château d'eau, en fait, en plein milieu de ce chantier. Donc, j'ai commencé à apporter de la verdure, des choses. Enfin, voilà, je l'ai un peu égayé à ma sauce. J'en ai fait un peu vraiment mon univers. Et puis surtout mon lieu de travail pour lancer mon activité réellement. Et disons que ce qui m'a intéressé, ce qui m'a plu aussi, c'est le site. J'ai vécu à la mer longtemps, bercé un peu par les zones portuaires, le chantier naval. On est quelque part dans une bulle où on est préservé de tout le reste de la ville, de tout ce qu'est la ville en perpétuelle évolution. Ici, ça évolue d'une manière différente. À échelle humaine, j'ai envie de dire plus, à échelle même intimiste.